Et le temps passe vite en bonne compagnie parce que déjà l'avant-dernier match entre Glory contre Geekay. La team à abattre, Flingana. Et oui, mon très cher poids, les Geekay qui sont actuellement en 2-0, l'équipe tenante de la première place au sein de ce groupe D. Est-ce que les Glory peuvent faire tomber les Geekay? La réponse est non. Mais, sait-on jamais, cela irait dans notre intérêt, nous, LFL, à ce que les Geekay tombent, puisque plus facile d'aller chercher un tie-break ou même éventuellement une première place après les matchs retour. Mais voilà, les mates, pour l'instant, 1-1, voilà. Absolument. J'ai mis en garde contre l'importance de jouer à fond dès le début. C'était un très beau match. Ils ne t'ont pas écouté, effectivement, ils vont tomber. Autant la première game qu'ils ont fait de la journée, ils n'étaient pas à fond, ça se comprend. La deuxième game, il y avait un bel adversaire. C'est vrai, c'était vraiment une game d'un très très bon niveau de jeu, du vrai front-to-back bien construit. Et dommage, quand même, du côté des mates, où on a vraiment on a buté contre vraiment ce front-to-back extrêmement fort et Léo qui a vraiment su faire parler ses clics. Ancien joueur de T1 de la grande époque. Alors de la grande époque T1, je ne dirais pas peut-être, mais il était chez T1 en 2018 lors de l'année. C'est quoi en 2018? Lors de la pire année avec Pyrian. Absolument. Ah, tu te souviens? La relève de Faker. La fameuse relève de Faker. Et puis après, il est allé chez Afrique, Blank, il a joué chez Sandbox. Blank, Pyrian, Léo, un beau cru. Après, il a joué trois matchs. Hein. Il a joué trois matchs. Il était avec Pyrian, il y avait Blossom sur la jungle, il y avait Tal sur le top side. C'était vraiment une Tal. C'était la pire année. La machine à scouting de T1 qui avait très bien fonctionné. En tout cas, ça cliquait. Les deux ADC coréens, respectivement, chacun dans leur équipe. Pour le coup, il y avait un très très beau match. Je troll T1, mais bon, ça a joué chez T1, quoi. Même dans une mauvaise année, ça a joué chez T1. C'est ça, c'est que ça a quand même eu le mérite d'en arriver là. Et puis même, il n'était pas complètement ridicule lorsqu'il a joué ses sandbox à Afrique, bien sûr. Donc, Léo est peut-être un ancien de LCK, mais un ancien de LCK qui clique toujours très bien et qui nous l'a montré sur la game précédente. Et devrait nous le montrer lors de la game qui va suivre ici, face à des Glory qui font pas forcément très peur. Non, c'est pas les moins bons de ce groupe qui serait récupéré. Cette place sera occupée par Eugène, forcément toujours à zéro victoire, qui joueront dans le dernier match de la journée contre Mate. Mais bon, quand on voit le match qui vient de se dérouler, j'ai assez peu d'espoir pour Glory, mais l'espoir, ça commence et ça se construit maintenant. Absolument. Le futur, c'est maintenant. Parce que c'est ton projet. C'est mon projet, c'est parallèle. Ouais, effectivement, le futur qui peut se construire, mais qui y croit vraiment, nous, du Roadcast, c'est pas trop le cas. Glory qui devrait se faire peut-être prendre le même tarif que Eugène lors du début de la journée. Un petit 20 minutes bien tassé, si on arrive à le faire correctement, les Geekay pourraient asseoir leur domination d'une manière assez nette. Bah, ils ont pas l'air là pour rigoler, les Geekay. Voilà, tous les matchs, ils les ont pris à fond, du premier jusqu'au dernier. Et logiquement, ça devrait finir en 3-0 à la fin de cette première journée. Favoris pour cette poule D. Absolument, des favoris qui du coup prennent cette première place un peu au nez et à la barbe des mates qu'on attendait, bien évidemment nous en tant que fans de LFL au-dessus, mais il y aura encore la journée de demain pour essayer d'aller chercher cette première place à grand coup de tie-break potentiel, bien évidemment. Alors où est-ce qu'on en est du lancement du match en régie? On attend les ops check, très bien. C'est un bonheur d'attendre tous ces observateurs qui... Il y en a 25. Imagine, si tu mets un chips chez chaque broadcaster, le monde s'arrête de tourner. Ah, on nous dit qu'effectivement, il y a eu des pauses lors de leur game à eux, et du coup, ça a ralenti leur prise de live. Ok. C'est cool. C'est sympa. Heureusement que Chips n'était pas avec nous aujourd'hui, parce que ça aurait pu aussi nous tomber dessus. C'est vrai. Le chat noir originel. Alors on va attendre tranquillement que la draft se passe, alors... Magnifique. Let's go. Alors, pas de Jinx contre Léo. Peut-être qu'on vient de regarder la game qui vient de se terminer. Peut-être. Et la REL. Qui continue d'être très haut dans les prios malgré le nerf sur le 14.7. Ouais, après on enlève aussi des champions de confort, bien sûr. Du côté de Glory, on va aussi se voir retirer la Harry de Envy.
et le vol libère de El Ramir, auquel on va dire au revoir. Alors, il y a quand même 2-3 champions qui restent à disposition, bien sûr. Alors, il reste les classiques... classique Rumble, Flex, bien sûr, même si on l'attend au top. Ouais, et puis en plus de ça, on l'enlève à Bong, hein, qui a vraiment des très très grosses games avec le champion. Et on va voir si on va avoir des réponses sur le top side du côté des Geekay, avec un Senna Tamkench validé du côté du bot side. Pas forcément très agressif, bien sûr. Enfin, Senna Tamkench, Senna Nautilus, pardon. Pas super agressif non plus, mais des caps qui peut peut-être faire les décalages avec son jungler. Ça reste bien top tier comme duo lane. Mais oui, alors est-ce qu'on va la jouer sur un scaling tranquille du côté de Geekay? Alors je serais pas fan, il y a déjà un Rumble top. Je suis pas fan. Il y a déjà un Rumble top. Et ce sera pas une duo lane Rumble Ziggs, hein, ou alors j'ai raté un truc dans la méta. Non. Mais c'est draft un peu tôt. On accepte de fermer le bot side avec ce Ziggs face au Senna Nautilus. Bah, je sais pas s'il faut prendre un. Je sais pas une. Hein? Parce que pour moi, le but, hein, c'est de push avec un Ziggs. C'est comme une Caitlyn. Tu veux push, prendre des plaques, prendre des tours, mettre de la pression. Tu joues ton Ziggs avec une TP. Dans ce cas, tu prends un support qui permet de prendre la domination de la lane. Sauf que Alistar, c'est pas ça qui va prendre la domination de la lane. Je suis perplexe. Je suis question. Absolument. Et puis il y a une réponse qui avait commencé à être montrée du côté de Guillou, mais ce Sylas, alors que Alistar, Ziggs et Rumble sont open, ça va au moins forcer un ban déjà, hein, du côté des GLR. On ban Yasuo, on a peur d'un Yasuo mid. Oui, bah oui, il leur faut de l'AD sur la mid lane, donc effectivement, pourquoi pas le Yasuo. Sachant qu'il en a déjà joué 3 à Envicari, donc... Non, mais pourquoi pas. Il a joué du Yone aussi, qui pourrait être enlevé. Yone ou Jace. Ah, de toute façon, c'est sûr que les derniers picks, ça va pas être des AP. Hein. Si on commence à avoir de l'AP encore du côté des GLR, ça ressemblerait sacrément à du troll draft. Ce serait clairement du troll draft. Du Sylas. C'est qu'il y a au moins 2 beaux ultis, 3 beaux ultis déjà. Bah oui, non, mais si le Sylas était pas bon, je serais pas professionnel. Le Sylas, hein. il est très propre. Ah, la draft des Geekay, elle est clean, hein. Il manque une Tristana sur la mid lane, on est bon, hein. Ou autre chose, hein, parce qu'on manque d'AP, mais. Elle est pas Tristana, autant pour moi. Ouais, parce qu'on aurait pu l'avoir en quatrième côté Geekay, mais on veut juste laisser le counter pick à la mid lane, ce qui se comprend. Jarvan qui n'est pas mauvais foncièrement face à Senna, mais suffisant, je ne pense pas. Le Yonax. Et dans la jungle, alors on peut mettre un... Ça peut être un setupper, ça peut être un carry AD. Le petit Viego là. Pourquoi pas, franchement ouais. Jean, ça marche ok. C'est un bon compromis. Ouais. Il y a Vi aussi, hein, qui aurait pu être un compromis. Après, Vi dans Senna, c'est peut-être passé de mieux. Ouah. Ah, c'était la compo Presser. Hein. Ah ouais, mais. Ah, c'est une belle compo Presser. Hein. Parce qu'en face, les JK, ils en ont de la réception. Hein. Maokai, Senna, Nautilus, ça peut vraiment bien fermer sur le full engage des Glor. Et le Azir pour encore repousser. Eh bien, on a deux styles de jeu bien différents dans les deux drafts pour l'instant. Ah ouais, bah au moins, elle est fun, la compo Glorée. Pour le coup, ça on peut pas leur retirer, on n'a pas l'habitude de voir ça. Les compos, c'est un ulti Ziggs long range, un ulti Nocturne long range, une éradication long range, un Yone qui vient mettre un press air et juste de quoi faire quelques petits engages avec un Alistar, franchement pourquoi pas en face. Bon, on a une compo 2024 scaling plus top tier avec que des picks qui ont beaucoup de sens, extrêmement méta. Bon, Geekay, il continue en tant que pour l'instant favori de ce groupe. Ils sont passés favoris depuis qu'ils ont gagné. Absolument. Mais leur composition
et c'est du top tier pur et dur, il n'y a pas grand chose à dire. À la limite, la seule chose qu'on pourrait leur reprocher, c'est de ne pas vouloir jouer plus vite. Parce que bon, Senna, Azir, Kassanté, on ronfle un peu, c'est sûr et certain. Mais on avait dit ça, on avait dit la même chose lors de la première game. Des geekés avec une composition qui était full scaling, mais qu'ils ont terminé en 20 minutes. Donc si on arrive à accélérer de la même manière, écoute, on n'aura plus rien à dire. Non, on va voir, on attend, on va... Après, le truc, c'est que là, ils ont aucune raison de se prester. Ils jouent contre une compo ultra agressive, ultra early game, qui est censé prendre le push, des prios. Alors, est-ce qu'on va pouvoir prendre la prio avec un Yone sur la mid lane? C'est un peu la question que je me pose face à un Azir. Pas sûr. Les interactions du Yone commencent à être favorables à partir de quelques niveaux dans le point E et de l'ultimate, bien sûr, hein, qui permet de vraiment aller chercher très très loin. Dans un premier temps, normalement, le Azir devrait avoir largement la main. Bot side, on a ce Ziggs qui va être là pour dépush. Bon, je suis curieux de voir un petit peu les actions du jungle support quand même du côté des Glorés, parce que le Alistar est là pour bouger et il peut peut-être créer le surnombre un peu partout sur la carte et essayer d'accélérer pour les Glorés. Voilà, voilà. Donc, et bien maintenant, on va attendre le début de la draft. Enfin, le début de la game, que tous les ops tchèques, espagnols, italien, polonais, portugais, français rentrent dans le game, et toutes les nationalités que j'ai oubliées, bien sûr. C'est Pichente qui nous dit c'est nous qui sommes en retard. Mais qui troll. Du coup, qui. Je sais pas s'il troll. Il troll beaucoup, c'est un rigot drôle. Ouais. Mais après, il nous a trollé déjà tout à l'heure, donc c'est peut-être vrai. Que. Bon, voilà. Il y a des problèmes de lecture. Sur les lettres de l'alphabet du côté de Pichente. Voilà, on a le réalisateur qu'on a et qu'on mérite. Alors je sais pas si on le mérite, mais on l'a en tout cas. On l'a. Et on peut pas faire ce qu'on veut, mais c'est lui qu'on mérite. Qu'avons-nous fait pour mériter Pichente? Je ne sais pas. Eh bien, nous avons Treton. C'est vrai, non, y a beaucoup, on pourrait trouver beaucoup de raisons. On a Treton, on a Shriek. Du coup, déjà, l'un dans l'autre, on mérite peut-être notre sentence. Il y a une place pour nous en enfer. pas pour nous directement, à la limite, on fait charité. Ouais, pour avoir osé mettre ces gens à l'antenne. Avoir déversé ce mal sur le monde. C'est vrai qu'on leur laisse de la malveillance à heure de grande écoute. Ah, t'imagines, tu mets Shriek à l'antenne pendant que les gens mangent. Forcément, tu mérites une place en enfer. Non, c'est vrai. Ça se tient, hein. Que veux-tu nous? Je remercie l'abolition de la peine de mort, parce qu'on a eu chaud. Écoute, j'accepte ma place en enfer si c'est pour faire du bénévolat pour Shriek, tu vois. Genre, je trouve que c'est sympa de notre part aussi. Franchement, c'est bien aimable. De donner ça. C'est bien aimable. C'est vraiment, c'est la mère Teresa de 2024. Bah, je pense bien, hein. Je pense qu'on mérite également un petit peu de rédemption pour ces bonnes actions qu'on leur fait, tu vois. Je pense que ça se compense un petit peu, on verra. Allez, on attend toujours nos amis les Ops Tchèques qui se connectent à la partie avant de pouvoir lancer. Avant la dernière game de la soirée qui sera les Hornets, pâle copie des abeilles, bestioles inutiles dans la chaîne alimentaire qui ne fait que nous pourrir la vie. Là où nos belles et jolies abeilles sont, elles, essentielles à l'écosystème. Vous avez vu, en plus on fait de l'éducation ici, c'est magnifique. Waouh, genre apprendre en s'amusant sur OTP. C'est pas beau. Bravo pour ce cours de SVT. Mais de rien. Absolument phénoménal. Toi, t'es ma pire matière. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, de loin. Écoute, moi, j'ai plutôt bien dosé la SVT au cours de mes études. Donc, J'espère pour faire médecine que t'as fait de la SVT. Ouais, frère. ça va, vite fait. Je te demande pas d'être bon en histoire géo, quoi. Là, ce qui me déprime un petit peu, c'est que je viens de voir sur le retour du live que ça fait 4 minutes qu'on est en train de meubler sur la draft. Bien sûr. Et ça commence à me tilter. Bien sûr. Et je pense qu'on aura eu pas loin de autant de temps de draft que de temps de game, pas loin. Pas loin. Ouais. Effectivement. Mais bon, écoute, hein, on était là pour faire justement acte de charité et on va respecter, on va attendre que les opérateurs soient prêts, mais sachez que ce meublage vous est offert par OTP et n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir ce meublage de qualité, bien évidemment. Exactement, c'est très important l'abonnement pour nous soutenir dans ce genre de moment. Chaque fois que quelqu'un s'abonne dans ce genre de moment, je peux tenir à peu près 30 secondes de plus. C'est vrai, absolument. Sinon, je m'éteins.
on est sur tu sais, les lives qui continuent, tu vois, genre les lives marathons. Ouais. Plus on a des abonnements, plus on peut meubler longtemps. C'est un truc qu'on a arrêté, les marathons. On en avait fait à une époque du Howard. Du Howard. Et en vrai, c'est un enfer. Ah oui, bien sûr. Tu sors de là après 4 jours de pizza, de soda, etc. T'as pris 27 kilos, t'as envie de canner, tu fais de l'hypertension, t'as envie de dormir. Pitié, mais lancer cette game par contre. Enfin, on sait que les geekés vont les fumer. Juste laissez-nous commenter ce stomp. S'il vous plaît. C'est un stomp peu. Alors, en vrai, avec la team Glory, je dis pas que je vais mettre une pièce sur eux. Mais je dis, avec une compo comme ça, tu peux surprendre. Ben justement, c'était les Gambit qui a fait une compo Press Air Words avec Jean, Cartus, Nocturne, Gangplank. Et au bout d'un moment, t'éteins la lumière, tout le monde Press Air, tu sais même pas qui est en train de se prendre le bombardement de sa vie. Il y avait le Nunu Ulti dans le bush aussi avec l'Ulti Cartus. Alors ça, c'est encore d'autres games. Il y a encore avant. Hein. On remonte dans le temps. Assez loin, effectivement. C'était les Gambit ou c'était les Unicorns of Love à l'époque? J'ai un doute. Jean et tout, ça me parle plus du côté d'Unicorn. Je crois que c'était Gambit. Je crois que c'était... Mais les Gambit, on va dire plus jeunes, sans les joueurs emblématiques qu'on leur connaît. En tout cas, nous voilà enfin lancés dans cette game, hein, les Glory contre les GK eSports qui vont pouvoir enfin rentrer dans la faille. Et on va pouvoir... peut-être essayer d'admirer le gameplay full prester, beau jeu du côté des Glory. Mais déjà, petite surprise, ce Rumble qui va jouer téléportation et non pas Ignite. Un peu dommage dans le 1v1, bien sûr, qu'on aurait peut-être pu abuser un peu plus aisément. Après, il va le gagner, hein, son 1v1, il va avoir la pression. Pour une équipe qui va être mobile, jouer sur des globos, je peux comprendre la volonté d'aller chercher cette TP. Donc, en se disant qu'on va les kill plus en fight ailleurs, pour accélérer. Alors bon, problème de Zig, c'est qu'il faut toucher des Q. Hein. Et c'est pas si facile. Depuis qu'il y a quelques années, ils ont réduit la hitbox de la bombe. Oui. Qui était un petit peu busted, il faut le dire quand même. Oh, j'aimais bien. Ah ouais, mais... y a des interactions comme ça qu'on nerf, mais le champion reste toujours jouable. Hein. Facile, hein, ça a du sustain, Senna, ça a de l'engage, Nautilus. Alors, il faut le chapitre perdu pour que le Ziggs soit un peu à l'aise. Il a une TP, c'est normal. Mm-hmm. C'est pour aller chercher rapidement du stuff. Mais voilà, hein, un peu désemparé. Tant qu'on n'a pas même le niveau 3 pour mettre le combo mine, bombe au sol. Mm-hmm. Sur une Senna qui s'avance. Il y a longtemps que j'ai pas commenté un Ziggs. J'aime bien. Ça change. Alors, je dis ça. Occasionnellement, parce que plus d'une game de Ziggs, ça donne envie de mourir. Oui, absolument. Mais occasionnellement, c'est rafraîchissant. Et tu rafraîchis? Non, pas non, vraiment. T'es pas rafraîchi? Non, pas vraiment. Parce que le truc, c'est que le gameplay Ziggs, moi je l'ai beaucoup joué au mid, donc je connais par cœur. Effectivement. Après, c'est pas le même gameplay au mid. C'est plus prio, effectivement, mais juste. C'est toujours la même chose, tu mets tes spells dans la wave et t'es là pour accompagner, tu vois. C'est un peu bête et méchant, Ziggs, dans la manière dont ça se joue. C'est très binaire, en fait, c'est surtout ça. À la limite qu'on peut reprocher aux champions. Mais c'est sûr qu'effectivement, bot side, on est là plus pour accepter la prio adverse, éviter de te faire dive, back TP. Et quand tu commences à scale, eh bien, tu détruis les tours. Alors, à voir si du côté des GLR, on va essayer d'avoir... un gameplay autour du héros de la faille pour justement spammer autour du C4. Par contre, on voit qu'au niveau de la mid lane, on est en train de mettre une sacrée pilule. C'est facile, hein, Yone, il faut all-in sur un Azir. Là, tu te fais poke, tu peux plus all-in, t'as pas les points de vie, tu vas être obligé de back, il va se faire deny probablement. Voilà, il va aller faire 2 mètres de plus, il perd un peu de temps. Et Guillaume qui va pouvoir crash tout ça. Bon, je m'attendais pas à ce que sur le tout début de phase de lane, les Glory l'emportent totalement. Je m'attendais plus à ce qu'il faille attendre le premier demi-objet, voire objet complet. Oh, c'est mal payé. C'est un peu mal payé. La bombe de Ziggs, qui est l'un des seuls spells, l'un des rares seuls spells qui a une condition de hauteur sur League of Legends. Et du coup, tu peux passer au-dessus des adversaires. Ce qui aura été le cas ici. Il y a l'ulti Gragas aussi, je pense. Ouais, il y en a très peu, tu vois. Il y en a très peu, ouais. Mais avec quelques interactions parfois étranges. Ouais, il fait pas un premier gros back, hein, ce Ziggs.
20 CS, un top de puissance, c'est low. Un petit peu, ouais, on aurait presque pu s'attendre à une larme même. Léo qui est le premier au décalage sur un Envy qui a déjà fait son back TP, Elramir qui pourrait se faire menacer, il y a un flash qui devrait être consommé, quoique même pas, on trouvera une échappatoire avec ce petit Z qui lui permettra de s'en aller, mais on va pouvoir tirer profit par contre de cette priorité pour aller chercher l'invade, tandis qu'une pause est arrivée. Elle est arrivée. En fait, on a un tips, c'est que pendant les games, pour pas avoir mal aux yeux, on éteint les projecteurs et les lumières dans la salle. Et donc, quand les lumières se rallument un peu sans raison, tu sais que tu vas avoir une pause. C'est-à-dire que t'as le seum avant même de voir la pause apparaître sur l'écran. Oui, oui, absolument. J'ai envie de tout casser. Il est lancelet. Il est très très lancelet. Je suis à deux doigts d'aller chercher les caplas qu'il y a sous le bureau là pour pouvoir commencer à monter. Genre. Alors on nous dit qu'il y a des lags du côté de Geekier, donc du côté de Léo. Ok. On va attendre tranquillement que ces problèmes de lag passent. C'est la première journée. C'est un nouveau serveur tournoi sur un nouveau patch. Non mais Noah, tu sais que tu veux nous rassurer, mais on sait. Ah non, c'est pas pour se rassurer, c'est juste que c'est la tradition finalement. C'est la tradition, c'est vrai. Mais dans tous les cas, les IMIA, en termes d'orga, ça a toujours été compliqué. Ah ouais, mais il y a beaucoup de langues, il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup d'intervenants. C'est toujours entre deux grosses compètes, après les playoffs, etc. Voilà. On sait, et ça va aller de mieux en mieux au fil du temps. Et en attendant, nous sommes patients. Patients, oui, c'est... Souriant, patient. Et voilà, regarde, déjà de retour, finalement. Oui. C'est quoi, 10 secondes, 15 secondes de ta vie? Finalement, tu fais quoi avec 15 secondes de ta vie? 6 fois l'amour, Fingil. Wow. C'est facile. Alors déjà, je vois pas de quoi tu parles, je suis un gamer, je suis plus... Voilà. Tu es mage noir. Okay. Je suis mage noir, level 80. Allez, on est reparti dans cette game. Ah, attention, une contestation autour des Grubs. OL Ramir, c'est un flash qui est forcé, le heal de Léo également qui y passe. Monkey est le premier au décalage sur la top lane, sur le cas santé. On va ramener immédiatement pour prendre le first blood ici sur Joker, un petit peu trop avancé. Et de l'autre côté, on se fait chasser encore une fois du côté de ce Rumble. Le tutoriel qui ramène, mais qui a normalement encore un flash, il devrait pouvoir s'échapper. Ah, il le bosse, mais ça n'a pas suivi de côté de son équipe. On est allé tout simplement faire les Void Grubs. On a laissé le Nautilus farmer au bot. Contre ce Ziggs. Et donc ce sera deux Void Grubs et un First Blood récupéré par les Geekers qui, ça y est, prennent déjà la tête de la partie. Oh top side, ce Q-spell qui touche du côté de Bonk, ça reste quand même un Rumble. On est passé niveau 6, on a l'Equalizer, on peut peut-être avancer sur la zone rouge. Attention, là s'il y avait eu un Ignite du côté de Hebdi, qu'on aurait pu largement prendre ce solo kill, mais sans, c'est pas si facile. Ouais. Il va devoir prendre son mal en patience sur la top lane. Avec Bong qui devrait faire son premier back. Sur la mid lane, toujours une petite avance de CS, mais j'ai l'impression qu'on commence à pouvoir trade du côté de Envy. Bon, rien de catastrophique. Mais pour l'instant, les Glorés m'ont pas donné de raison d'être rassurés sur la suite de la game. Absolument. On se sent assez en confort pour l'instant hein, du côté des Geekers qui avancent sur leur scaling bien sûr. Et c'est de toute façon un peu ce qu'on va voir, c'est est-ce que les Glorés vont réussir à snowball sur une composition très forte en mid-game ou alors ils vont se faire climatiser avant. Pour moi, Ziggs qui a pas commencé à toucher la tour encore. Et en fait, c'est le Alistar qui va avec qui me dérange. C'est que c'est pas un bon champion de lane, Alistar. Nautilus avec Aftershock, ça n'a pas trop de problèmes. Mm-hmm. Donc il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un... Alors je comprends que tu ne veuilles pas mettre un range avec un Ziggs, sinon ça te rend quand même très facilement diveable, enfin ça te rend un peu agressable, mais je pense qu'il y a d'autres champions un peu plus vénères, quitte à jouer Ziggs. Oh attention ici, Elramir qui est au contact, le flash qui est réclamé, la paranoïa, on est à la lumière, mais est-ce qu'on va réussir à connecter sur Yu? Le flash est déjà consommé et on arrive à le cesser, le kill ne sera même pas pris. Et les ronces de Elramir qui sauveront le mid laner des GK. C'est mal payé.
Ça manquait de rien du tout. Une petite auto-attaque. Mais bonne défense aussi de El-Ramir hein, qui s'est mis devant l'ulti de Envy, qui l'a stoppé avant que ça touche le Azir. Je pense qu'il était en range. Oh 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 oh, l'équalizer sur El-Ramir, il n'y a plus de flash et on va se faire cramer le fiac ici du côté de Maokai. Normal bien évidemment, le type plante est faible face au type feu. C'est vrai. De rien pour cette analyse. Merci, franchement merci Fingid. J'ai l'air, j'ai la ref. Ouais, enfin. Non, mais sinon, sinon j'aurais pas su expliquer ce qui s'est passé. C'est pour le coup sur les 10 secondes. C'est honnête. 15 secondes, c'est vrai, c'est vrai. Merci Vicente de suivre pour que mes propos ne soient pas déformés. Grab ici sur ce Alistar, le grenade ASM, on swap de focus, mais est-ce qu'on a assez de dégâts? Je n'en suis pas sûr parce que des cartes ne tankent pas assez et on se fait complètement reboot ici. Léo qui a encore un flash qui sera obligé de le consommer. Et on se fait turn et les GLR qui résistent malgré tout. Ça résiste, c'est même très légèrement devant, c'est pas trop intéressé aux objectifs neutres pour le moment, mais voilà, on va pouvoir reset rapidement, revenir, et on va enfin pouvoir revenir avec de quoi tenir au mana, de quoi spam, c'est ça qu'il lui faut. Voilà, le chapitre perdu, la game de Reigning commence. Absolument, et il va pouvoir commencer à prendre une priorité un peu plus intéressante. Et pouvoir mettre de la pression. Les plaques qui peuvent être favorables bien évidemment à un Ziggs et avec une bonne C4, essayer de prendre rapidement des tourelles. C'est les plans de jeu qu'on peut aimer avoir. Attention, top side ici, on n'a pas de flash du côté du top laner des GLR et la mort l'attendra. Allez, ce Rumble pour l'instant. Ça va qu'il a, il est bien devant au farm, il a pris un KGD, il n'a pas une game facile. En vrai, ça va, il fait ses petits décalages, il a été étudiant teamfight, il y a de quoi récupérer la vague de sbire. Alors, il perd un peu, bien sûr, cette action, mais son équipe à côté récupère tout de même certaines ressources, donc c'est is ok. Au Reigning, la TP, on veut contester la prise de ces Void Grubs. On a utilisé la paranoïa, c'est dangereux, on n'est pas du tout en position du côté des DK, on peut se faire un petit peu chasser, on arrive et on va prendre le premier kill. Immédiatement l'ultimate de ce Yone, on arrive à shutdown pour l'instant. Léo qui va tomber, Reigning qui est là, qui tabasse, mais pour l'instant c'est bon, qui s'impose avec son cas santé. Le champion de Faux Furieux encore une fois, mais l'Equalizer est bon du côté des DK, les GLR qui vont encore une fois cramer les DK. C'est beau, on est tous GLR. On est tous GLR, pourquoi? Parce que Geekane, on nous ont battu et que ça nous arrange qu'ils perdent avec cette compo. Et un ulti Ziggs, ça ne permettra pas de prendre le kill sur Guiou. Mais bah, on passe devant, quasiment de Kagold. On défend les Void Grubs, il y a un dragon assez rapidement à faire. Et cette compo peut accélérer, elle peut prendre des tours très rapidement, c'est un Ziggs. Absolument. On va revoir ici hein. la très bonne C4 en réalité du côté de Reigning qui sépare un petit peu tout le collectif. Jiu est assez low HP donc il ne peut pas s'avancer pour faire une partition impériale de zoning. Et là du coup Envy qui a fait son ultimate, on a pu bombarder avec l'ultimate de Reigning et derrière également l'equalizer de ce Rumble. C'était vraiment pas mal hein. Ouais, je suis bien d'accord. Au moins on a de l'action. Non mais j'aime bien, moi j'ai... Elle est fun cette compo hein. Gorée donc Glorée. Pas Gorée. La fameuse compo Gorée. Ah la compo press R, go R, Gorée. Non mais tu l'as. Pourquoi pas. Et juste j'aimerais bien qu'ils accélèrent sur les tours. Tour objectif neutre. Là je veux voir un Ziggs qui perd ma push. Là normalement le Ziggs on est à 12 minutes de jeu, il est quasiment en train de finir sa T1 au bot et de se dire qu'il va aller sur la mid lane avec Envy qui passe au bot. C'est ça qu'on veut. On va avoir le Ziggs qui contrôle la carte et qui ne laisse absolument rien passer. Les Ziggs de l'époque d'XPK, ceux qui ont fait des records de farm. À l'époque où les Corbins étaient encore appelés des fantômes. Oh wow. C'est pas les Wraith? Oui, c'est bah, les fantômes, ouais. Ouais. Les spectres. Ouais, ouais. Ça, je suis trop un Englishman pour ça. Non, t'es couramment bilingue. Absolument. Et on va pouvoir s'avancer autour de ce dragon qui est enfin start du côté des GLR. Alors,
Il est fait tardivement ce Drake, c'est le premier de la partie. Et du coup la condition face tool pour les Glorés est un petit peu éloignée, sachant qu'on veut peut-être jouer ce fight, mais est-ce vraiment raisonnable? Le Yoka en plus de ça qui a réussi à temporiser, mais on s'avance le flash in, on met tout sur le Nocturne qui est sous paranoïa, mais il sera complètement laissé à l'abandon ici. Le DPS n'était pas suffisant malgré l'ultimate de ce Ziggs. C'est ok, un dragon pour un kill sur le jungler, on ne s'est pas commit, on l'a laissé tranquillement mourir. Allez, push raining, allez, allez, c'est le moment. Des petites autos chargées sur la tour, voilà. Des petites plaques, c'est bon, c'est récupéré. Abattre les geekets, abattre l'ennemi. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est bien vrai ça. T'as vu ? Encore faut-il qu'on gagne demain. C'est vrai. Mais GLR qui serait notre porteur d'espoir. Qui pourrait être en demain. On va voir un petit peu hein, pour l'instant. On a ces Void Grubs en poche. On va avoir l'apparition du héros de la faille à l'instant. Et vous le voyez, on est déjà plus ou moins en position sur la carte avec le Alistar qui a fait le déplacement. Et regardez Botside avec un Reigning qui est en train de tabasser la tourelle. Voilà. Le pain de C4, on fait tourner le passif pour l'auto chargé. Et ce sera récupéré. Le Ziggs va pouvoir prendre C4 qui est sur la mid lane. Et ça commence à faire des golds. Voilà, le but c'est de faire des golds pour ce héros de la faille. Alors qu'on aurait bien aimé avoir du côté des Glorés. Ça accélère encore plus la prise de tour. Mais on a fait le choix. On a fait le choix de laisser le Ziggs tranquille. Il y a un Ziggs qui a déjà son Myandry. À quelques secondes près, on aurait peut-être même pu jouer le héros de la faille en retour parce qu'on avait une téléportation hein, du côté de Reigning qui était tout juste en train de revenir. Mais il manquait encore voilà, à peine une dizaine de secondes pour le botlaner des GLR. Et donc ce héros de la faille sera validé pour les GK. Voilà, chacun a pris ses assignations. Et on va pouvoir continuer. Il n'y a pas grand chose à faire sur ce Rumble. Il n'y a pas beaucoup de vision. Hein. Donc là pour avancer, il a assez peu d'infos. Il ne sait pas où est la Senna, pas où est le Maokai. On n'a aucune ward vraiment en profondeur, c'est peut-être ça. Qui manque au Glorée pour pouvoir activer un peu plus leur compo. C'est partir avec le Alistar et le Nocturne dans la jungle. Pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de jeux mid-jungle. Oui. Enfin, support jungle. Absolument, absolument. C'est ce qu'on aurait aimé avoir plus tôt, mais le Alistar s'est rendu disponible plus pour jouer justement ses grubs, pour essayer de jouer autour de ça, pas forcément pour créer ceux de mouvements supplémentaires. Envicari qui va mettre un bon tarif à Jiu ici. On sent que le match-up en side va commencer à être compliqué à tanker pour ce Azir. Et on est obligé d'être en surnombre. On est en train de se regrouper autour de la mid lane pour Glorée. Avec juste un Nautilus positionné en défense. Ça, il ne fait pas bien peur. En vrai, cette game, j'y croive. Tu y croives ? J'y croive. Tu copies ? Je suis un croiveur. Tu as toujours été un croiveur. De l'église de la croivance. Absolument. Il y en a qui sont des slasheurs. Toi, tu es un croiveur. Je suis avant tout un croiveur, oui. En même temps, lorsque tu es fan de Katie Rolster, tu peux pas faire bien différemment que d'être un croiveur. Ça, c'est généralement des slasheurs et des croiveurs. I beg to differ. C'est juste que tu vois pas assez dans le futur. Ouais, tu vois la very long run en 2030. Ouais. Ok. 2030. Le temps. Il y a le temps. L'e-sport est jeune. Bien sûr. League of Legends est un jeu qui a encore de très belles années devant lui. Évidemment. On joue le jeu en side, on prépare les objectifs pour l'instant parce qu'on a toujours ce héros de la faille en poche du côté GK et on n'a pas positionné peut-être pour envisager ce dragon d'ici une quarantaine de secondes. Un timing cependant où justement les GLR seront quand même beaucoup plus forts. Les premiers items qui sont favorables à une composition full bursty très forte dans le milieu de partie. Allez, il faudrait faire tomber là cette T1, elle est debout depuis trop longtemps. Allez là le Ziggs, au boulot, allez hop hop hop. On l'accompagne, on voit bien les sides, on conteste les dragons.
C'est un peu le problème, c'est que je trouve qu'à part le Alistar, ça manque un peu de lock pour vraiment retenir les adversaires dans la méga bombe, dans l'éradication. Bah, c'est le défaut, effectivement, on n'a pas de very big CC, c'est vraiment du all-in pur et dur, et on espère que les adversaires soient déco sur l'engage initial, quoi. Et en parlant d'engage, ça peut démarrer ici, justement, avec Envy qui a utilisé peut-être son E beaucoup trop tôt, et du coup qui va prendre l'information, mais qui ne peut pas forcément setup. Yoka ici, le smite sera validé tout de même du côté de Elramir ici, un petit peu early du côté du Nocturne, mais l'Equalizer sur le jungler, les GLR fait la différence. Envy qui s'avance, Jiu qui va réussir à trouver une belle partie impériale, est-ce qu'elle sera suffisante? Non, le flash tout de même qui réussira à permettre à ce Azir de se repositionner, et on arrive à temporiser du côté de Léo avec sa Senna, et ça ne fera rien de plus pour l'instant. Alors on s'est un peu perdu là du côté de Yoka. Et ce Azir est toujours vivant, il manquait tellement peu de choses. Il y a eu des petits ratés par-ci par-là dans ce teamfight des deux côtés. Et on décolle pas trop sur des fights qui devraient être plus favorables que ça. Ah, il faut aller le chercher, c'est bien Envy. C'est bien vu effectivement, parce qu'il a stacké son Q-Spell pour avoir le Q-Spell 3 pour aller chercher le mid laner des GK là-dessus. Et ce qui rend donc le trade beaucoup plus favorable, parce que bah, s'il n'y avait pas eu ce kill sur Azir, GK avait pris dragon, trade jungler, et pour une composition qui scale, prendre un dragon à ce moment-là de la partie, c'est extrêmement précieux. Alors, je suis bien d'accord. D'autant que le scaling, au bout d'un moment, finira par arriver. Hein. Donc, la Senna et le Azir, ils vont être terrifiants. Parce que là... La paranoïa, alors oui, c'est pour aller chercher le dragon au passage, mais sur le tank, et là on met énormément sur Bong, et Bong il est ultra résistant, la partition, alors c'est dommage, pareil, là il y a ce flash de Envy, mais il a pas la vision, ouais. Et du coup Guillou fait un très bon reflash de repositionnement. Il y a voilà, c'est pas grand chose, il y a des petites interactions un peu unlucky. Ouais, là une dernière auto qui passe pas, et... Au niveau de la mid lane, une engage qui est en train d'arriver. On a la paranoïa avec l'ultimate du Ziggs. Malheureusement, ça a juste forcé le flash de Léo qui, pour l'instant, est en vie. Et Yoka est seul au milieu de la mêlée. Quoique, Eddie qui a réussi à trouver un très très bon ultimate. Et on a réussi à même connecter le kill sur Léo. La partie impériale qui est assez bonne de la part de Jiu. Et on va pouvoir se sortir de ce troc-nard. Quoique, Envy Carry avec son Yodekia. Il venge second couteau. Mais on arrive à prendre le kill quand même du côté de Guillaume sur le Alistar. C'est un 2 pour 2 pour l'instant au niveau de cette mid lane. Ouais, on n'était pas assez groupés, on n'avait pas tous les ultis, on n'avait pas tous les summoners du côté des glorés. Et on arrive à pas trop mal s'en sortir, mais un trade équivalent en étant devant avec une composition plus early, ça reste une défaite. Allez, il faut que ce soit un peu plus propre. On n'est pas bien synchro, on n'est pas assez chirurgicaux dans la manière dont on veut engage. C'est précipité, regardez ici, hein. On a le flash sur le teammate de ce Ziggs. Et ça manque de lock. Voilà, là, la Senna, tu la lock, elle reste au milieu de cette bombe. On n'en reparle plus. Et on a fait le move à 4. Il manquait encore le Yone. Même à 3, parce qu'il arrive un peu plus tard tout de même ce Ziggs. Et Ziggs, c'est pas si facile que ça d'être utile en teamfight. Avec des bombes. Par des bons joueurs, ça s'esquive, une bombe de Ziggs. Oui. Donc si tu touches pas sur le premier rebond, sur l'impact, ça s'esquive facilement. Absolument. $2000 d'avance à 22 minutes de jeu. C'est une avance certes, mais pas assez confortable pour enterrer vraiment la game du côté des GLR, bien sûr. Le scaling arrive petit à petit. On a deux items du côté de Jiu et son Azir qui est sur un stuff... Azir Tank, bien tassé comme il se doit. Une minute, récupération de vision. Juste un petit catch, un petit go-in du Alistar. Oh,
il n'y a pas d'ultimate, enfin il n'y a pas pardon, de flash sur Epzik ici qui arrive à temporiser pour l'instant. Yoka qui est seul, effectivement. On va flash lead tout de même du côté de Sunny Star, mais c'est pour l'instant complètement raté. C'est complètement raté ici. Et Only 35 qui va finir par tomber sous les coups de cette Senna. Oh, la petite catastrophe ici. Et Envicari à la sortie. Oh, c'est aussi raté cet ultimate. Oh, ça part à volo. Et c'est désormais un Ashor qui s'ouvre au JK. Oh, c'était mécaniquement très très moche. Ouh là là. Oh, j'ai pris des dégâts mentaux. Ah là, c'était dur. Aïe 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 aïe, on s'est empalé. C'est-à-dire qu'un mauvais call suivi d'une mauvaise exécution de ce même mauvais call, ça peut pas donner un bon résultat. Ou alors l'équipe en face est composée de joueurs troncs. C'est-à-dire sans bras et sans jambes. Bien que les jambes ne soient pas être très utiles pour jouer League of Legends. Quoi cette position, Reuning? Tu n'as rien à faire là, voyons. Tu es un Ziggs. Pourquoi est-ce que tu essayes de flank? Open. C'est un Ziggs flank. Ce Ziggs était en train de flanquer face aux 5 joueurs JK. C'était le mauvais move de cette game. Déjà on se pick-up. Et là on se dit, il y a moyen de faire quelque chose sur cette Senna. Mais ouais, mais bon, il a perdu la vision, il a pas la range, il met son headbutt, ne part pas, il met son atomisation dans le vide. Enfin, un Tréton ferait ce genre d'erreur. Ça peut coûter cher. Oui. Ouais, ça aussi, ça peut coûter cher. Le shutdown qui est récupéré par la Senna. Bon, pas de Nashor malgré tout, mais on est désormais à équivalence en gold entre les deux équipes. Et GLR qui sent que la game commence à glisser, donc ils vont forcer le play. Ils vont forcer le play autour de ce Baron Ashor, mais on sent que c'est désespéré. Hein. Il n'y a pas de dégâts. On joue un Ziggs qui a certes un Liandry, mais est-ce suffisant? C'est tellement lent. Ils sont pas obligés de faire ça. Leur compo est horrible pour faire ça. Et on va pas le faire, mais on va perdre une T1 au bot. Je sais pas d'où est parti ce call. En plus, sur une pick ward, il est pas sneaky. On n'a pas le push au bot. On n'a pas la prio au mid. Là, c'est le moment où on demande un show de caller dans l'équipe. Est-ce que tu subines pour être shot caller dans cette game, Noah? Éventuellement, après t'as un point mort quoi. Ouais, mais tu joues à 4 contre 5 éventuellement, mais et même là je suis pas convaincu. Par contre, c'est sûr, j'aurais pas dit on va Nashor. Là, tu prends la place de. Tu prends la place de ce Alistar. Mécaniquement, ça ne fait pas trop la diff. Mais tu peux shot call. Je sais pas si ça fait pas trop. Mon Alistar, il est infâme sa mère. Je pense que tu fais pas le même move au niveau de la Senna. Ah, on a des moves de moi sur Alistar. C'est criminel. C'est-à-dire que je fais des moves tellement honteux qu'on pourrait croire que je le fais exprès, alors que non. Et en faisant exprès, probablement, j'y arriverai pas. Ah non, non. Notre synergie, on a joué du Alistar Disney Chips. Notre synergie, elle est catastrophique. Alors, la partie impériale de JO ici à la mid lane pour essayer d'aller chercher ce Alistar qui n'a pas de flash, qui est sous ultimate, téléportation. On va essayer de se commit, mais il est bien encore une fois, il n'y a pas d'ultimate connecté de la part de Reining et on va pouvoir réavancer avec l'ultimate de la Senna. On a trouvé un très bon ultimate quand même de la part de Soyone, mais qui est follow-up par un mauvais ultimate equalizer de la part de Rumble et on va pouvoir avancer. On n'a pas assez de dégâts du côté des GLR. J'ai l'impression que le bon moment est passé pour les Glorés et maintenant on va se faire aplatir comme des crêpes. Et ça va être un probable Baron Ashor pour les geekets qui, ça y est, je pense, vont faire le break. Et ouais, trop d'erreurs, pas assez de proactivité du côté de Glory. Et de la proactivité pas utilisée au bon moment non plus. Et donc ça se fait payer cash immédiatement, bien sûr. Hein. Un catch tenté au mid, c'est raté. Baron Ashor validé et les geekets qui vont pouvoir petit à petit mettre en place leur domination dans la faille de l'invocateur. Ah, ils ont fait le plus dur. Ils ont fait le plus dur, il n'y a plus qu'à terminer proprement le travail. Pendant qu'on voit l'action. Pourtant, je me disais dans ce couloir. Tu sais, c'est. Ouais, ça manque de dégâts. On touche pas tous les skill shots non plus. Là, le Yone y va. En vrai, l'éradication est. Et pas si mal, c'est toujours le même problème, c'est qu'on n'a pas de lock. On n'a juste pas de lock. Et la Bong qui menace et qui va chercher avec son cas santé. Belle exécution de la part du top laner des GK. Baron Power Play qui est en cours. On a des T2 à aller chercher bien sûr. Et c'est pour l'instant la wave topside qui va être utilisée.
On a envoyé le Nautilus au mid. Et on a quand même le Azir en défense via le bot side qui a une téléportation si nécessaire. La paranoïa, encore une fois, on connecte. Cette fois-ci avec un Echoizer convaincant et le shutdown est récupéré. C'est pas mal ça du côté des Glorés, mais est-ce que c'est suffisant parce que la téléportation arrive du côté de ce Azir? Ouais, la TP est bonne. La TP est bonne. Il y a une belle partition. On va ramener deux joueurs. On arrive tout de même à se repositionner. Et maintenant, Guillaume qui est un peu sous la grotte de la tour. Mais c'est pas grave, il n'y a pas assez de dégâts. Et le rouleau compresseur Geekest se met en marche une fois de plus. Très bon bump de El Ramir et tout le monde devrait tomber, ça devrait être un ace, ça pourrait être la game. Et ça peut être un ace parce que Envy a décidé de juste rester bot side. Après, oui, il n'avait pas le choix bien sûr, il y avait une TP advantage du côté de Jiu. Est-ce qu'on finit là-dessus? Je pense qu'on peut finir. Mais que Yone à la défense. Je sais pas. C'est dur, je ouais, pense. C'est compliqué. S'il y avait eu dans le Nashor ce Jiu, je t'aurais dit oui. Mais ce Azir, ouais, c'était vraiment... 5 secondes Yoka, 10 secondes. C'est cœur gelé, c'est marque abyssale. Difficile. C'est déjà une belle percée. Mm-hmm. Oh, oh, oh. Le Yone qui va essayer d'aller chercher El Ramir qui a utilisé un Z un petit peu maladroit ici. Et on va prendre le kill. Bon, fin du play Baron, c'est pas trop grave. Pour Geekay, on perd un tout petit peu de temps, mais pas grand chose non plus. Eh, Gloré, bon, on a poche à la 30ème minute. Ah. Ah, la partition qui est revenue, mais ça ne suffira pas. Non, non, pas de place. Pas de place. Et un shutdown. Shutdown. Il est tanky, ce Azir, hein, ça surprend un petit peu le fameux Showmaker build. Invention du démon. Oh, que oui. Mais des shutdowns qui tombent, on va pouvoir peut-être avoir un nouveau power spike du côté de ce Rumble qui approche de son troisième item. Il y a un dragon à jouer. En 20 secondes. C'est une assurance pour Geekay s'ils prennent du temps à passer. De pouvoir avoir une âme contre une compo qui tout de même a pas mal de poke, c'est pas si mal. Et on voit à la vision, hein, ou à la coupation de la carte, Gloré, ils ont déjà lâché le guidon. Et ce dragon, pas défendu, dommage, on est en retard. Dommage ça pour Geekay. Bon, si on finit sur le prochain push, c'est pas très grave, mais ça se défendait. Téléportation. C'est le cas santé, il a un tombable, il va pouvoir essayer de trouver les contrôles. Allez, il est parti en chasse, le reste de l'équipe est en train d'arriver, ils ont fait un pick-up en cours de route. Et même à 4, je ne suis pas convaincu qu'ils aient les DPS pour le tomber, il est en train de tellement temporiser, ils sont en train de se faire embarquer dans une très sale histoire, les glorés, l'éradication, mais on décide de marcher dessus, il y a même la bombe du Ziggs. Mais c'est un 1 point, les deux junglers qui sont tombés pour l'instant et le reste des joueurs qui temporisent. El Ramir, il allait un peu deep. Oh oh oh, est-ce qu'on peut trouver quand même le shutdown ici du côté de Hebdig, mais qui le payera de sa vie immédiatement. Ouais, c'est pas très propre cette fin de game, mais 2 pour 2. Je pense pas qu'ils iront plus loin dans ce push. Ouais. Pas eu le dragon, hein, c'est reparti pour un tour. Hein. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est vrai. Avec un nouveau shutdown récupéré par le Rumble, qui... a donc complété son Zonia, a la possibilité de trouver un nouveau Power Spike bientôt. Ouais, cette grosse baguette qui a été achetée, donc c'est pas trop mal pour l'instant, hein, du côté du top laner. Et on va devoir se retrouver au Baron Nashor. C'est parti pour un tour en plus. Alors, comment on aborde ça? Est-ce que c'est défendable par Gloré? Il n'y a pas la TP sur le Rumble qui est bot side, qui va être vu par cette ward. Bon, il l'aura dans 30 secondes, là n'est pas la question. Mm-hmm. On repousse les waves le plus loin possible. Mais le Ziggs, pour récupérer une prio à lui tout seul au mid, ça va être compliqué. Effectivement, il faut donner un petit peu d'appui à ce Ziggs, hein.
Mais la pression pour l'instant est de mise du côté de JK. Est-ce qu'ils veulent forcer cette T2? Ça semble-t-il sera validé. Et on va pouvoir ensuite immédiatement reprendre le contrôle de la river et de la jungle topside. Ah, ils veulent les push le plus loin possible pour pouvoir faire un baron nashor de façon sereine. Pas de flip du côté de JK. Et on va entamer l'objectif. C'est pool a priori par le Maokai. Et on n'a pas du tout de vision. On va être obligé de passer par la mid lane pour éviter de fake-check. On a mis un trinket bleu. Et engage ici, on temporise pour des caps. Ça descend assez rapidement du côté des GK. La paranoïa, on va s'avancer peut-être. Le cap pour une position d'aérodynamique de Smite. Est-ce qu'on peut aller chercher 50-50? Et on a trouvé un bon equalizer sur l'ultimate de Soyone. On va pouvoir pour l'instant temporiser, mais il n'y a, j'ai l'impression, pas assez de dégâts. Quoique les Glory qui s'avancent, qui penchent. Hein, les GK à reculer. Yoka qui est le HP, ça passe effectivement. On est à genoux du côté des GK. Avec le E du Yonnais et les Glorés inversent la tendance et peuvent pusher la mid lane avec un Ziggs et un Baron Nashor. Est-ce qu'ils peuvent finir cette game? Est-ce non. qu'ils en ont les armes? Non. Double non. Mais ils peuvent prendre ce Baron Nashor, repasser devant au Gold. Ils ont défendu leur précédent dragon et on va en rester là dans ce push. Alors comment ça s'est passé? Là, il y a, bah, y a des AO dans un enclos. Hein. C'est ça. Hein. L'éradication. Là, le Rumble fait masse de dégâts dans les contrôles. Absolument. Reigning qui trouve un bon ultimate par-dessus. Le bon DPS du Ziggs. Epdic, il joue bien aussi. Hein, parce que il est très bien en train de contrôler Bong. Et là, très beau réflexe. Eh, hey, finalement, voilà, on se moquait de Glory. C'est vrai. Mais 38 minutes contre Mate. Là, on est à 35 minutes contre Geekay. Et en vrai, il y a discussion sur l'issue du match. Geekay a perdu, enfin, a gagné, pardon, contre les Mate. Mm-hmm. Voilà, l'infâme Tréton les a diffamés. C'est vrai, c'est vrai. Après, il a plus diffamé les IGN. Quand même. Aussi. Il est vrai. Et vu comment ils se sont fait pulvérer en game 1. Peut-être un peu plus mérité. Oh, attention, ici le Alistar, on va se le commit, Paranoia, Equalizer, le combo des GLR qui est pour l'instant entamé, mais on n'a pas assez de dégâts pour l'instant. Envy de l'autre côté du fight, qui utilise son ultimate. Les DK est peut-être un peu en difficulté, les dégâts sont convenables, mais on est un peu isolé pour Envy qui va finir par tomber. L'interruption est récupérée du côté de Bong et on va pouvoir peut-être enchaîner du côté des DK, mais on bombarde du côté de Reigning qui fait énormément de dégâts. Ouais, il en faut plus, Reigning, ça touche, ça touche. On a Liandry qui tourne à plein régime, il faut avancer avec ce Baron Nashor sur cette T2. Et on va faire le dragon. Envy un peu trop entreprenant, un peu trop confiant. Il allait un peu trop deep, on n'a pas pu suivre du côté de son équipe. Je sais pas, c'est bizarre parce que là en late game, je suis partagé entre eux. Ils font pas de dégâts et parfois ils font beaucoup de dégâts. Ouais. Je pense que ça dépend du skill shot qui touche. Ah, c'est un nouveau catch ici par contre trouvé hein, du côté de JK. Yoka qui va finir par tomber hein, puisque ouais. On le rappelle, la map est un carré bien sûr. Bonne chance à lui, mais il est finito. Alors maintenant il faut en profiter. Il y a deux morts. Le Yonnais va réapparaître certes. Il y a un peu de wave clear, mais le Ziggs peut pas non plus tout wave clear. Là on peut aller chercher T3 avant de décider de pike. Ouais, on va pas y aller. Ça va push et RZ. Ouais, on va pas prendre de risque pour les GK. Mais écoute, on arrive confortablement dans ce late game et pour l'instant, bah, les fights ne sont pas aussi gratos du côté de GK que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Vous voulez apprendre à désamorcer une... Bah clairement, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus one-sided après le précédent baron de la chambre de GK, mais... Rien de tel. Et trois dragons, mine de rien, pour les glorer. Le Yonnais fait mal, hein, maintenant. Mm-hmm. Malveillance qui est arrivée sur Reigning, son ulti est tabasse. Puis à noter aussi, c'est que finalement, bah, on a certes une avance au gold du côté des GK, mais surtout, essentiellement, au rôle de support, finalement. On a un carry AD qui est confortable, enfin, un carry AP, pardon, du côté de Reigning. On a Envy qui est très bien dans son 1v1, qui a une belle avance face au Azir. Après, c'est pas vraiment un support. Oui.
Et il a farm 211 CS quoi. Ouais, c'est ça. Il y a, parce que dans ce cas-là, on dit aussi qu'il y a les âmes en plus. Ouais. Et la bonne TP de repositionnement, sinon il était mort. Ouais, après, on consomme TP paranoïa alors qu'il n'y a vraiment rien à jouer sur la carte. La paranoïa, c'est pas trop grave. La TP, c'est peut-être plus dérangeant. La paranoïa, il va la récupérer assez rapidement au niveau 16. C'est vrai, il est niveau 16. Ça va vraiment très très vite. C'est 1 minute 30 Baron Ashor. Et 2 minutes 30 ce dragon des océans qui va apparaître avec une soul potentielle pour les glorer. Qu'est-ce qu'il y a? 40 minutes de jeu, frère. 40 minutes ouais, 40 ouais. minutes de jeu. C'est la bataille est rude. C'est vrai. La bataille fait rage. Mais Glory, une équipe dure à terminer, dure à mettre à terre. Et qui vend cher, et qui vend cher sa peau. On a un peu perdu la possession et la vision sur la carte. Et il y a un baron Ashor dans 50 secondes. Oh, ah oui. C'est bizarre ça. Mais il est seul. C'est un peu bizarre. Bon. C'est limite bien qu'il soit pas fait punir pour ça. Ouais, c'est ça. Il voulait peut-être forcer quelque chose. Le Zonia en mode full bluff. Mais bon. Je sais pas trop ce qu'il espérait. J'avoue que je. Enfin, c'est un Azir Zonia cœur gelé. C'est vrai qu'il est tanky, il va pas utiliser son Zonia comme ça. Il a 3500 HP là. Plus même. Quasiment 4000 HP. Quasiment 4000 là. Hein. Ah ouais. Donc je sais pas ce que ce vilain nocturne dans late game avec en termes de DPS dans le stuff un item. En tout cas. Il y a plus ton ultimate alors que le Nashor lui est start hein, du côté des JK, les ronces pour temporiser, Yoka qui ne peut pas du coup aller chercher un ultimate explicite pour fight. Et ils peuvent se retourner fight hein Geeky. Ils auraient raison de le faire. On a pris beaucoup de dégâts du côté de Léo. Très bonne ulti, on se remet un peu en point de vie. L'ulti de Nocturne qui est déjà de retour. Il fonce dans la mêlée mais c'est pour mieux mourir. Et j'ai l'impression que ça va être un swipe intégral. La partition impériale. Ça tanque un petit peu, le Yone essaie de tout donner. Et d'ailleurs il arrive à de très bons résultats. Absolument, on a quand même utilisé une stopwatch à 1600 boulasse du côté de Léo pour s'en sortir. Sinon il était mort et du coup on arrive à trouver un fight encore une fois hein, du côté des Glorés malgré tout. Parce que seul Yoka est tombé et deux joueurs des JK sont morts avant l'âme des océans. Bong ne sera pas là à temps. Cette game n'a que peu de sens. Je ne comprends pas ce qui se passe. Comment ils arrivent à gagner ça? Ben Lyonnais fait mal à un moment. On n'arrive pas à le focus. Parce que le Nocturne sert vraiment à rien. Ah, il sert à faire peur, globalement. Je sais pas si ça fait peur à grand monde là-dedans. Bah, il fait reculer 4 joueurs, tu vois. Et du coup, on peut finir Bonk tranquille. Et regarde là, Envy carry. Hop. Ouais, c'est Envy. Hein. Là, c'est Envy qui matraque la backline. Qui se retourne pour aller jouer avec son Rumble. Et 3 kills. Donc, c'est la Soul. La Soul qui est pris bien évidemment directement au spawn. Et une soul des océans dans des teamfights aussi serrés, ça peut coûter cher. Yoka encore une fois, 13 à l'initiative ici pour essayer d'aller chercher un Léo qui n'a pas de flash, qui n'a pas de heal, qui n'a pas de stopwatch cette fois-ci, qui va s'en sortir pour l'instant, la rédemption. Il est déçu, il est tellement déçu Yoka. Et Yoka il se prend la partie impériale sur le chemin du retour, tout de même son équipe arrive à conclure ce deal. On a Reining sur le côté qui n'est absolument pas focus mais qui n'arrive pas à trouver ses skill shots et qui va juste le faire go in, quoique le corps à corps est peut-être en sa faveur, plus dur de rater une bombe au contact. Et on va pouvoir récupérer des kills dans tous les sens finalement. Seul Jiyu est debout. Peut-être la game pour les glorés. Peut-être la game. On n'a pas le Ziggs, mais on a un Yone. Et on a une les wave. Frères sauveurs. On a une wave. On a une wave avec un Envy qui veut push, bien sûr. Avec Jiyu qui a TP, qui a back, qui est à la base. Allez les refs. Allez les refs. On a balé Geekay. On nous laisse une chance de prendre la première place en tie-break. Merci les gars. Et on va pouvoir aller chercher Jiyu. Et parfaite exécution ici, juste à la sortie du Zonia. Mais Envy est un goat. Tu es bien le chauvi que tu penses être sur ton Yone. Tu vas pouvoir récupérer la victoire pour ton équipe Glory, qui sera bien en 2-1. Incroyable. Au bout de 42 minutes de jeu,
Glory s'impose. Mais je n'aurais mais tellement pas parié sur leur draft en late game. C'est beau, tu vois. Ne jamais baisser les bras. Never back down. Never give up. Et il y a des croquettistes qui ne sont pas trompés, hein, avec une cote à 6 qui a été bien récupérée par certains de nos parieurs. Oh, les croquettistes là. Et à la fin, cette 29e paranoïa de la game. Parce que là, il est déçu. Là, en plus, au moment où il revient, Yoka, il se prend la partition. Il fait qu'il va pas se prendre, du coup, l'abordage du Nautilus. Et je crois qu'en plus, la partition envoie à moitié Envy sur le son carriadé. Hein. Le dragon des océans, il fait du bien. Oh là là, il fait du bien. Oh, 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 oh. Oh là oh, là, les carries. Équitable répartition des dégâts du côté des carries. Et ce sera... Chiche. Donc 1-2 pour Glory, 2-1 pour Geeky, 1-1 pour Mate qui affrontera les Hornets en 0-2. Nous on va partir en pause et on revient juste après pour la dernière game de la soirée.